Bonsoir, mes chers amis. C'est Faris Al-Hajri. Je suis Omanais. Je suis né en Afrique et j'ai fait mes études en français en Afrique. Et après ça, j'ai parti en Égypte pour la langue arabe. Après ça, continuer avec mes études en langue française jusqu'à 6e secondaire. Ça fait longtemps, parce que j'ai fini mes études secondaires en Égypte en 1984. Et après ça, ça fait difficile de communiquer en français parce que ça fait longtemps et j'ai commencé à oublier le français, mais de temps en temps je veux parler le français avec des amis, s'il y a des amis, parce que la langue francophone ça diminue seulement en quelques pays en Afrique et en France, mais s'il y a du temps je suis très content de communiquer en français. De temps en temps, je suis à présent, mon office est ici en Amérique, en Virginie, la ville de Blacksburg, et particulièrement au Virginia Tech Corporate Research Center. Je suis ici depuis 5 ans. La raison, c'est d'achever ou faire mes plans de stratégie. Stratégie numéro 1, c'est de faire des clinical trials de l'effet, de l'efficacité de la thérapie Aqua Revitalize ou de l'eau chaude. Le deuxième plan, c'est de faire des projets en wellness industry, différents projets, attracter investors pour faire des projets en différents plans, countries globally. Depuis le temps, je suis ici en Amérique, nous avons recevoir 4 projets de clinical trial qui ont fait en rats, les souris. Ils étaient très très positifs. De professeur Zereza, elle est le professeur en Algérie, et aussi à l'université pour les students au masteral degree et au doctorat degree. She teaches. Elle est professeure à date de l'université en Algérie. Elle est vraie mentorée en français. Et elle avait fait 4 clinical trials en souris avec l'effet de l'eau chaude. Et je la remercie très, très beaucoup de faire ça. Et ici en Amérique, on attend de faire de clinical trial en human subject, pour les humains. Et je souhaite aussi en Algérie, on peut faire aussi en human subject. Et pendant les 13 ans, j'étais interview 95 ou 95 interviews, le TV, la télévision, le radio, le newspaper, les magazines, le press release, et so on. Et aussi, j'ai présenté 65 lectures à l'université, les calls, les health organisations de santé,
hôpital, et aussi location de worship comme les mosquées ou les churches. Et aussi, j'ai présenté mes papiers à 8 internationales, conférences internationales en Amérique, San Diego, au Melbourne, Australie, et aussi en Abu Dhabi, Dubaï, United Arab Emirates, en Oman, aux Philippines, au India. Et aussi, je connecte avec les gens qui bénéficient de l'eau chaude, de la thérapie, aquathérapie, Revitalize, sur les, my channel de YouTube, aussi avec autres connexions de social media ou de l'email ou de WhatsApp et so on. Cette présentation, c'est pour les anecdotal evidence, témoignages anecdotiques. Nous avons réussi plus de 500 anecdotal evidence. De temps en temps, on présentait comme si cette présentation avec l'asthme, les douleurs thoraciques, rhinite, allergie, et so on, etc., etc. Ce anecdotal evidence de rhinite allergique et d'un homme infection par pulvérisation et asthme amélioré. Qu'elle a dit. Il est un mail saoudien. Dieu soit loué. C'est en arabique, mais je traduis en français. Dieu soit loué. Ma rhinite allergique et mon infection associée au spray ont beaucoup diminué. Mon asthme s'améliore. J'ai arrêté de prendre des antibiotiques pendant 2 mois depuis que j'ai commencé la thérapie à l'eau chaude. La semaine prochaine, je ferai quelques examens sur le cholestérol et l'acide urique pour vérifier les résultats. Et après cela, j'écrirai un rapport détaillé sur la thérapie par l'eau chaude et mon avantage personnel de cette thérapie. Que Dieu vous bénisse, chers frères. Et Dieu sait que votre générosité est une bénédiction pour l'humanité et pour ceux qui l'ont appris et mis en pratique. Ça, c'est l'eau chaude. Je vais prendre deux gulpes. Amélioration de la rhinite allergique et de la congestion thoracique d'un homme. Merci Dieu. Alors merci pour les bénéfices de boire de l'eau chaude, car j'ai souffert de longues années d'allergies nasales et de blocages dans la poitrine. Et maintenant, j'ai commencé à m'améliorer et grâce à Dieu. Dieu des récompenses, bon frère, et fait dans l'équilibre des bonnes actions. Un homme guéri de l'asthme sans prendre d'inhalateur, de l'eau chaude grâce à la bénédiction de Dieu. Mon frère a été guéri de son asthme. Nous n'avons pas pu nous débarrasser de l'inhalateur, mais au moment où il a commencé à boire de l'eau chaude pendant un certain temps, il était complètement guéri. Il ne porte plus l'inhalateur. Un homme guéri de l'asthme sans prendre l'inhalateur. Il est un arabe mâle.
Salut, j'ai souffert d'avement. Je n'ai pas pu sortir sans prendre mon inhalateur. Maintenant, grâce à Dieu, je n'ai aucun symptôme d'avement dû à l'eau chaude. Dieu te bénisse. Wow. Merci beaucoup. Je vous en prie de veiller, s'il vous plaît, aimer, like le vidéo, le channel, pour, si vous pouvez, abonner, partager, distribuer à votre connexion et rédiger votre témoignage pour, s'il vous plaît, sur notre email debout. Vous pouvez prendre de formations sur notre trois websites, comme vous avez vu. Et je vous en prie beaucoup parce que ensemble, on peut faire un monde qui est très santé. Il n'y a pas de souffrir avec des maladies. L'humanité peut vivre avec la santé complète, physique, émotionnelle, mentale et aussi spirituelle. So, je vous en prie. Merci beaucoup. À bienvenue.